super boss. Papa Nico sont mis à ma maman. Salif Keita, international. Oui. Je viens d'Algérie, ouais, de l'équipe Arba. Donc je suis venu soutenir mes frères de DSMP. Ouais, j'ai déjà signé. Donc j'attends. Ouais, j'étais en 2008, j'étais à Cotton Sport. On a venu jouer contre Vita Club ici en 2010. 2009-2010, on a perdu à la dernière minute. Et j'étais au Gabon. Et après, j'ai fait 3 ans au Maroc. Et je suis parti en Algérie et me voilà ici en à DSMP. Ouais, juste pour terminer la playoff. En tout cas, merci. Bah, le travail de la semaine, donc on aura un travail de tous les jours. Donc on a commencé aujourd'hui. Demain, mardi, donc à King Cole, 9h-11h. Mercredi, on fera un travail de renforcement musculaire à la SK. La matinée, pareil. Jeudi, vendredi, samedi, nous viendrons à King Cole faire un travail sur le terrain, travail athlétique, travail technique et tactique, de 9h à 11h. Le programme, ici, on est en public à King Cole. Tout le monde peut venir, mais c'est un petit peu loin, bien entendu. Ils peuvent venir nous voir aussi travailler, nos supporters à la SK, il n'y a aucun problème. Après, le stade des Martyrs, non, pour l'instant, on ne peut pas aller sur le stade qui est à l'extérieur des Martyrs. Le stade n'est pas praticable. Nous avons reçu 3 joueurs, donc Salif Keita, défenseur central, Kaboré, défenseur latéral gauche, et Koulibaly, attaquant côté. Les supporters qui sachent que notre groupe, on est fiers de, dans le temps, on va récupérer nos 4 joueurs de la Chan, nos 4 champions. Et donc, bien entendu, on est fiers pour eux, on est fiers pour la sélection de la Chan d'avoir remporté ce titre, amplement mérité, donc, tout au long de la compétition. Ces garçons-là vont prendre un petit peu de repos, bien entendu, totalement mérité. Hein, et puis, ils vont rejoindre leurs collègues. Donc, on aura un groupe de 25 joueurs à notre disposition.